Vincent, vous qui venez de prendre le virage de 15 ans de carrière depuis les beaux gosses et votre rotule qui faisait un coup tu me vois, un coup tu me vois pas, vous serez d'accord que 60 ans de carrière pour John Williams, ça se fête. Cet homme de 91 ans a été comme d'autres, mais lui si souvent, essentiel dans la couleur de tellement de films qui ont marqué nos vies, quel que soit notre âge. Juste un petit survol. John Williams est à la fois un compositeur, mais aussi, comme beaucoup de rois de la musique de film, un arrangeur extraordinaire. Par exemple, pour Les Dents de la Mer, il a joué juste avec un doigt le thème à Steven Spielberg, qui lui a dit, mais t'es gentil, il y a trois notes, ça va être un peu répétitif. Et John Williams lui a dit, faites-moi confiance, avec les montées en puissance, les ralentissements et les accélérations, vous allez voir qu'on va avoir peur du requin. Vous l'avez bien senti, le requin, là. Ah bah ouais, bien sûr. les carrières de John Williams et Steven Spielberg sont indissociables. Quand ils se rencontrent, Williams n'a que 40 ans et Spielberg, qui, adolescent, écoutait la musique de Williams en boucle, a l'air d'en avoir 17. Ils ne se quitteront plus. Amazing relationship, and it's like it's still new. I don't think either one of us have really thought a lot about the fact that we've been together so long. We've really never had an argument, truly. And it's just something that has temperamentally and personally and hopefully musically, professionally worked well. Also, I should say, John, how lucky can I be? Because as you and I both know, how much Steven is completely relaxed with music in his films. He can't have enough of it, you know, and which makes him the best possible collaborator for a composer. John Williams a commencé comme pianiste dans les orchestres d'Hollywood, mais il se trouvait pas très doué pour le piano. Alors il s'est essayé à la compo et à la direction d'orchestre. Il a bien fait. In the 1950s, we had contract orchestras in each studio in Hollywood, and I was a pianist in the Columbia Studios Orchestra. I went there as a youngster and auditioned for the music director and sat in the orchestra playing film scores every day those years. For people like Alfred Newman and Bernard Herrmann, names maybe not remembered by your viewers, but they were the great composers of the golden age of Hollywood film. And I sat there playing piano day after day with them, learning by osmosis, I suppose, and gaining the idea with the temerity of youth, gaining the thought that I could also do what they were doing. Un coffret sort demain, 20 CD, 62 ans de musique, 22 heures enregistrées, des interviews, des témoignages, près de 400 titres, et vous aurez plein d'images devant les yeux, y compris celle de John Williams, souriant et aimable comme toujours, dirigeant la musique d'Indiana Jones. Voilà, le coffret sort demain. Ça vous ferait plaisir, Vincent? Ah, bah ouais. Bah tiens. Regardez. Bon, moi? Ouais. Merci beaucoup.